Bonjour à tous. Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés de 20 juin 2020, nous allons vous raconter comment nous avons vécu le confinement à cause du coronavirus. Le coronavirus, c'est une maladie très dangereuse pour nous, nos enfants et pour les autres. Pendant le confinement, il n'était pas facile de garder les enfants à la maison toute la journée. Donc, j'ai toujours essayé de les occuper. Nous avions fait des activités avec les enfants et les devoirs que l'école nous a donnés chaque semaine. Les devoirs étaient envoyés par mail. C'était difficile pour nous, pour moi de comprendre. C'est pour ça que mon assistante me les a imprimés. J'avais beaucoup de stress car je ne suis pas professeur et les enfants écoutent plus la maîtresse à l'école. Lorsque nous restions toujours à la maison, nous faisons un peu de sport collectivement. Parfois j'allais au magasin pour faire les courses. Je faisais très attention, je porte le masque. Je respecte la distance physique pour éviter la propagation du virus. Et au retour à la maison, je me lave les mains tout de suite pour éviter de contaminer ma famille. Bonjour à tous. Nous avons mal vécu le confinement car on ne voyait pas la maîtresse ni nos copains. On restait enfermé à la maison sans sortir dehors ni voir personne. Quand j'étais à la maison, je faisais des maths, de la lecture, des dictées et des quiz de jour. Nous regardions 5 jours de la semaine les programmes de la télévision qui proposent des émissions scolaires. Voici notre activité. C'est tout. Au revoir.